Allah a décidé que ce dîn est parfait et qu'il restera inchangé jusqu'au Qiyamah. Ce Coran restera inchangé jusqu'au Qiyamah. Ça veut dire que n'importe quel homme, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région, il peut trouver la hidayat uniquement en suivant ce livre et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans avoir besoin d'instaurer des choses que les sahaba tabi'in, atba' tabi'in, aïm al-aba'an n'ont pas instauré. Ça c'est extrêmement important mes chers frères, ça c'est la base de l'aqidah de Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Restez ferme sur la parole d'Allah et sur la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour rien quand on parle des signes de Qiyamah. Tout le temps on rappelle ce hadith, le passant fait référence à la fin des temps, même à toutes les époques. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, abada, jamais, de jamais, vous ne serez égaré. Kitab Allah wa sunnati, le livre d'Allah et ma sunna. Wallahi al-azim, celui qui croit que, et celui qui ose dire, et ça on me l'a dit, que ce que vous apprenez dans les madrasas, c'est pas suffisant. Nous on connaît des choses qu'il n'y a pas de Coran. Nous on a une connaissance qui ne se trouve pas de hadith. Wallahi, je crains pour ces gens. Parce que c'est comme si je veux dire que Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata fa innahu ma ballagh, il n'a pas propagé. C'est comme si je veux dire que le prophète n'a pas tout propagé. Il y a des choses qui seront de le cul à des gens des époques que ni de le Coran il n'y a pas, ni moi Nabiullah ne l'a dit aux sahaba. Et ça mes chers frères, c'est extrêmement grave. Maintenant kul mujtahid musab. Quelqu'un qui fait une réflexion, qui dit que c'est comme ci, comme ça, s'il a vraiment réfléchi, c'est entre lui et Allah. Hein, on n'est pas là pour juger les gens. Et ça, ça nous ramène vers la deuxième étape. C'est grave, parce qu'à la deuxième étape, lorsque Abdullah ibn Saba a trouvé qu'il y a certaines personnes qui étaient prêtes à le suivre, il a continué à développer cette fitna, et c'était à l'époque de Uthman ibn Affan. Et l'époque, le khilafat de Uthman ibn Affan, c'était un moment clé, malheureusement, dans toutes les fitnas qui sont apparues. Parce que le prophète avait annoncé que Umar ibn al-Khattab, c'est Babul Fitna, c'est la porte du fitna. Umar était quelqu'un de tellement fort, il avait un tel charisme, que rien ne pouvait arriver tant que Umar était vivant. C'était un homme exceptionnel. C'était un homme, et comme certains mouarikhine disent que si les chrétiens, avaient dans leur religion un homme comme Umar ibn al-Khattab, la abadouhu, ils l'auraient adoré. Tellement Umar ibn al-Khattab était un homme exceptionnel, les ulama le qualifient comme étant nusful islam. Il représente à lui seul la moitié de l'islam, tellement il avait un ilm, une vision des choses exceptionnelles. Donc, lorsque Umar est décédé, a été assassiné, les fitnas sont arrivées de la Ummah comme le prophète alayhi salatu wasalam l'avait annoncé. Donc la deuxième étape c'était quoi? Abdullah ibn Saba avait persuadé que le prophète n'est pas décédé. Il y avait des gens qui certainement l'ont cru. Il est passé à la deuxième étape. Abdullah ibn Saba a dit que il a commencé à inviter les gens vers une exagération dans l'amour de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Il a osé dire, ce que malheureusement on retrouve des traces de nos jours, que Ali a eu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une science cachée. Une science cachée que personne ne connaît. Et donc Ali, radiallahu anhu, a une position élevée par rapport à tous les autres sahabas, et que c'était lui qui en fait devait être le khalif. Et Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a, tous les musulmans, que ce soit Hanafi, Shafi, Malik, Hanbali, ils sont unanimes sur le fait que Ali n'avait rien de plus que les sahaba. Le prophète n'a pas donné à Ali des choses qui n'ont pas été dites à d'autres sahaba. Le seul hadith, une fois le prophète avait dit, c'était même pas avec Ali, avec un autre sahaba, que si quelqu'un a la ilaha illallah de son cœur, il porte le paradis, même s'il n'y a pas d'action. Et ça va dire au prophète, ah, ce que je propage, je dis aux gens, j'annonce la bonne nouvelle, et le prophète a dit non, sinon les gens ils vont pas faire de bonnes actions. Ils vont se baser là-dessus. Mais même ça, ce hadith était propagé. S'il se trouve dans les livres de hadith, il était propagé. Mais jamais il n'était question d'une science cachée accordée à Ali.
Si maintenant, il faut voir si on est logique, on est cohérent. Si moi, en tant que musulman, j'accepte le fait que Ali ne peut pas avoir une science que les hommes n'avaient pas eue, qu'il n'y a pas de science cachée, que le prophète a tout dit, comment est-ce que je peux oser dire ou oser croire qu'il y a des gens au 21e siècle qui ont une science qui n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna? C'est impossible. Ce qu'on appelle le ilm ladun. Le ilm ladun existe dans les textes, mais c'est une compréhension des textes. On appelle ça, il y a d'autres termes, at-tafaqquhu fi d-din, ilm al-istinbat. C'est-à-dire, moi je lis un hadith, j'ai fait des études un petit peu. Quelqu'un qui n'a pas fait des études, il va comprendre le hadith à 5%. Moi, je vais le comprendre, allez, à 10%. Mon professeur, ou un cheikh ou le hadith, en Angleterre, en Afrique, ou en Arabie, ou en Malaisie, il va comprendre à 40%. Un tabi tabi'in va comprendre à 70%. Un tabi'in à 90%. Un sahaba à 100%. C'est pas pour rien lorsqu'Imam Bukhari, vous savez cette histoire, le prophète sallam voit un enfant qui s'appelle Abu Umair. Hein, il avait un petit oiseau, un oisillon qui est mort. Il dit, « Ya Aba Umair, ma la fa'ala Nuhayr ?» Qu'est-ce qui est arrivé au petit oiseau? Il est décédé? Non, il n'a même pas dit qu'il est décédé. Qu'est-ce qui est arrivé à l'oiseau? Vous voyez que l'enfant était triste avec l'oiseau. « Bas, oh Abu Umair, qu'est-ce qui est arrivé à l'oisillon? Bas, qu'est-ce que vous comprenez dedans ?» Parce qu'on plaisante avec les enfants, qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'on peut garder un oiseau, un domestique, qu'est-ce que vous allez comprendre encore? Deux choses. Imam Bukhari, il a extrait 40 maslas. Comment 40 maslas cette phrase qui fait une demi-ligne en arabe, sachant que les phrases en arabe sont beaucoup plus courtes qu'en français. 40 maslas, Imam Bukhari. Maintenant, allez voir la compréhension des tabi'in, des sahaba. C'est ce qu'on appelle, c'est ça lorsque le prophète dit qu'Allah Ta'ala, celui qui observe, qui a la piété dans sa vie, avec le ilm, Allah Ta'ala lui donne, je ne sais pas le texte du hadith, Allah Ta'ala lui accorde une ilm. C'est pas un ilm qui n'existait pas à l'époque, non. C'est une vision plus large, une compréhension plus large des choses. C'est pas pour rien si vous écoutez un hadith que je vais interpréter, je vais l'interpréter d'une certaine manière. Allez écouter la même chose à Haram Sharif avec un cheikh. Allez écouter avec Mouana Younous à Saharampour là-bas. C'est un monde différent, c'est pas la même chose. Comprenons ce tafaqquhu fi d-din. Ça c'était une petite parenthèse. Donc, il a convaincu les gens que Ali avait une science cachée que les sahaba n'avaient pas. Déjà que les gens, ils commencent à se tourner vers un homme, vers un être humain. Ensuite, la troisième étape, c'était de convaincre les gens que Ali nabiyan, innahu kana nabiyya, que Ali était un prophète. Et la quatrième étape, ça c'était bien après, hatta za'ama annahu ilah, ça c'était dans les roulous, les exagérations, que Ali radiallahu anhu a une part de divinité en lui. Tout comme les Nasara croyaient que Isa alayhi salam avait en lui une part de divinité. Abdullah ibn Saba, c'est le grand munafiq, celui qui a mis du désordre. On ne va pas dire des termes qui ne sont pas munasib dans la masjid. C'est lui qui a commencé à semer la fitna dans la croyance des musulmans concernant Ali, jusqu'à ce qu'il ait dit aux gens que Ali a une part de divinité en lui. Et lorsque Hazrat Ali ibn Abi Talib a appris que des gens adhérer à cette... Parce que le pire, c'est quoi? Il y avait des gens qui ont cru à Abdullah ibn Saba. Et ils ont commencé à adorer Ali, radiallahu anhu. À l'époque où Ali était calife. Qu'est-ce que Ali a fait? Ali a pris ces gens, il les a brûlés vifs. Tellement il était mécontent qu'à cause de lui, il y a des gens qui tombent dans le shirk. Il a brûlé ces gens vifs. Et vous croyez que ces bicharou, ils ont compris la leçon? Qu'est-ce qu'ils ont dit? « Hala zadana yaqinan annaka antallah » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. Il dit que cela nous donne encore plus de conviction au Ali que c'est toi Allah. Parce que le prophète m'a dit que le seul qui peut punir par le feu, c'est le Dieu du feu, c'est-à-dire c'est Allah. Donc tu nous punis par le feu, ça veut bien dire qu'il y a une part de divinité en toi. Ça c'était le fitna de Abdullah ibn Saba. Donc c'était lui qui était à l'origine de cette fracture entre les sunnites et ceux qui ne s'apparentent pas aux Ahl Sunnah al-Jama'a. Maintenant, le problème se pose au décès de Ali ibn Abi Talib. Un gros problème, soi-disant, c'est lui qui apportera la lumière et tout, mais il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde va mourir. Ce prophète lui-même n'a pas vécu éternellement. Tout le monde meurt. Ali meurt. Et là,
on va retrouver un mécanisme qu'ils vont implanter dans tous les petits mehdis qui vont fleurir dans tous les continents et à toutes les époques, que Ali n'est pas réellement mort. C'était un shaytan qui a pris l'apparence de Ali ibn Abi Talib et qui est décédé. Ali a été élevé au ciel, tout comme Isa ibn Maryam alayhi salam a été élevé au ciel. Et là encore, malheureusement, les gens ont cru. Et c'est depuis là qu'il y a une fracture. Depuis cette époque, ça remonte à 13 siècles maintenant, entre ces gens-là et ceux qui s'apparentent à Ahle Sunna wal Jama'a. Et le gros problème, mes chers frères, c'est quoi? C'est que nous sommes naïfs. Nous sommes prêts à écouter n'importe qui. Il suffit qu'une personne fasse un discours sur la religion, qu'on va absolument, on va tout écouter. Et c'est ça le gros problème avec Internet. On va écouter de je ne sais qui va dire telle chose. On va écouter les islamologues qui vous donnent des tafsirs qu'on ne retrouve pas, que personne n'a étudié, ni ceux qui ont étudié dans les pays indiens, ni dans les pays arabes, ni dans les pays asiatiques, qu'on ne retrouve pas, et ils se proclament islamologues. C'est exactement quand Abdullah bin Saba, il vous tire un tafsir que personne ne connaît, qui est complètement erroné. Le problème, c'est que c'est pas qu'on est naïf, c'est que dans le domaine de la religion, nous ne faisons pas assez d'efforts pour rechercher la vérité. On est prêt à prendre la première opinion qui nous arrange. On va le prendre. C'est bon, elle a dit ça, c'est comme ça. Mais quand on a quelque chose à gagner, quand c'est pour un contrat commercial ou autre chose, est-ce qu'on va écouter le premier venu? Là, on va consulter, on va analyser, on va cogiter, on va voir est-ce qu'il est fiable. Est-ce que tous les gens qui voient la publicité, qui veut du neuf, prend la meuf, la neuf, qui veut du neuf, prend la neuf. Est-ce que tu te dis, mais je veux le neuf, je vais prendre la neuf, je vais signer, je vais résister. Non, on va poser 50 questions à l'hôtesse. On va appeler le 1088, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi? Le débit, il est le matin, le soir, pareil, et au cas où, etc., 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 etc. On va poser, quand on a un intérêt financier, wallahi l'azim, on fait mille et une recherches. On a besoin d'acheter un terrain, on va avoir un notaire. On va avoir un autre, pour avoir une autre opinion. On a un avocat, on va avoir, etc., etc. Parce qu'on a quelque chose à gagner, dunya. Mais quand c'est pour le din, si quelqu'un dit quelque chose, enfin, c'est pas mal. On le prend, et wallahi, et c'est bon. C'est dans la poche, et on fait un mal dessus. Ça, c'est le gros problème. On ne fait pas assez de fikr pour notre din. Nous avons quelque chose d'exceptionnel. Ça, je le rappellerai tout le temps. C'est le sanad, la chaîne de narration. Dans notre din, tout peut être prouvé. Et on verra, aujourd'hui c'est trop tard, on n'a pas assez de temps, on va voir, il y a un épisode également sur les faux mehdis, c'est les Mohammadiyah, hein, ça fait partie d'une des sept des Mohammadiyah, hein. Ça c'est trop amusant, on va conclure avec ça. Non, je préfère terminer l'histoire d'Abdullah ibn Saba. Il disait aux gens que Ali donc n'est pas décédé. Et l'objectif de Abdullah ibn Saba c'était quoi? C'était uniquement de détourner les gens de la croyance et de semer la discorde, qu'il y ait une fracture chez les musulmans concernant les croyances, concernant les aqidas, en jouant sur un sentiment, l'attachement au Ahlul Bayt. Parce que chaque musulman aime le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a joué des sentiments des musulmans qui étaient attachés au Prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille pour détourner une grande partie de la population de aqidas de Ahlul Sunnah wal Jama'a. Et ce qui fait que jusqu'au 21e siècle, dans différentes époques, dans différentes régions dans le monde, il y a eu différentes personnes dans les mêmes aqidas, hein, dans les mêmes croyances, qui se sont proclamées Mahdi. Alors qu'il ne peut pas y avoir plusieurs Mahdi, il n'y en a qu'un.